Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de La Grenouille Bleue. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui a été posée par une abonnée sur la page Facebook de This is Science. Comment expliquer scientifiquement les effets au tennis? Pourquoi le rebond et la vitesse sont influencés par le type de terrain? J'attends les réponses. Au cas où vous ne le sauriez pas, lors d'un match de tennis, les joueurs ne sont pas obligés de tirer la balle en ligne droite. Ils peuvent aussi choisir de lui donner une trajectoire courbe. Ces effets sont en fait utilisés dans quasiment tous les sports de balle, comme par exemple le football, pour marquer depuis le coin du terrain lors des corners. Mais alors, comment ça marche? Si vous pratiquez l'un de ces sports, vous savez que pour avoir un effet sur la trajectoire de la balle, il faut la faire tourner. Et donc, pour vous l'expliquer, on va avoir besoin d'une balle. Parfait, celle-ci fera l'affaire. Mettons donc cette balle en rotation. Lorsque la balle tourne, elle amène avec elle une fine couche d'air, qui va donc tourner en même temps. Tant que la balle reste immobile, il ne se passe pas grand-chose. Par contre, voyons ce qu'il se passe au moment où on va la mettre en mouvement. Il y a donc maintenant deux flux d'air, celui dû à la rotation de la balle et celui dû à son déplacement. Ces deux flux d'air étant opposés, il va y avoir à cet endroit une accumulation d'air. Autrement dit, une zone de surpression. Zone de surpression qui bien sûr ne demande qu'à se détendre et donc à pousser la balle. Cet effet s'appelle l'effet Magnus. Et il est principalement utilisé dans les sports de balle. Mais pas seulement. Il existe des voiliers qui avancent grâce à ce principe. En effet, sur ces bateaux, les voiles sont remplacées par des cylindres en rotation. Et même des avions radiocommandés ainsi que quelques projets d'avions réels volant grâce à l'effet Magnus. Ceci nous apporte donc la réponse à la première partie de la question. Intéressons-nous donc maintenant à sa seconde partie. Qu'est-ce qui va faire qu'une balle, lorsqu'on change de terrain, va rebondir plus ou moins haut et ralentir plus ou moins le contact du sol? En fait, la réponse à cette question est assez simple. Il faut savoir qu'une balle en mouvement a une certaine quantité d'énergie, appelée énergie cinétique. C'est l'énergie de sa vitesse. Le fait que la balle touche le sol va lui faire perdre une partie de cette énergie. Prenons deux cas extrêmes. Sur un terrain dur, la balle ne va quasiment pas perdre d'énergie, et donc rebondira assez haut et ne perdra pas beaucoup de vitesse au contact du sol. La légère perte étant principalement due au fait que la balle frotte un peu contre le sol à chaque rebond. Imaginons maintenant que l'on veuille jouer au tennis sur un terrain en sable. Drôle d'idée, n'est-ce pas? En tout cas, lorsque la balle touche le sable, elle laisse une trace bien visible. Ce qui signifie qu'elle a transmis une partie de son énergie aux grains de sable, qui à leur tour l'ont transmise à leurs voisins, etc. Cette énergie est donc perdue en déformant le sable, et c'est ce qui fait que la balle va rebondir moins haut et perdre de la vitesse. En gros, plus le terrain est meuble, et plus il aura de capacité à dissiper l'énergie de la balle, et donc à la ralentir et à la faire rebondir moins haut. La grenouille bleue, c'est fini pour aujourd'hui. Si comme Aurore vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur la page Facebook ou sur Twitter, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste ici, à nous suivre justement sur Facebook et Twitter en cliquant ici ou ici. Et enfin, à bientôt pour de nouvelles vidéos.